cher, les gars. Vincent Thibault pour les infos du sport, je suis avec le président du comité régional de boxe et Chloé, vice-championne de France. Alors président, ce soir un superbe gala à Saint-Vite. Ah bah effectivement, Saint-Vite, il n'y a aucun problème. On sait que c'est un gala qui est très bien organisé. Sa présidente met tout en œuvre pour que ça soit très réussi. Les sponsors sont présents, ils ont remis tous les trophées. Des beaux combats, très beaux combats amateurs, le combat professionnel qui a été un peu vite quand même, assez écouté. Et effectivement, à Saint-Vite, c'est vraiment un beau gala dans la région. Alors on a vu ce soir plus de 1000 personnes au gymnase quand même. Oui, c'est possible, j'ai pas très regardé parce que les tables, je vois pas trop, le dessus je sais que c'était bien plein. Et effectivement, il y avait peut-être certainement 1000 personnes et peut-être plus. Oui. Alors, l'année prochaine, encore un, peut-être deux galas pro, on ne sait jamais, on voit. Voilà, bon, pourquoi pas, le club de Saint-Vite est en pleine ascension, avec beaucoup de licenciés, un bon nombre de licenciés, il est troisième de Franche-Comté. Par conséquent, l'année prochaine, eh bien, ça sera une autre année. Cette année, il a eu la gloire, le bonheur d'avoir une championne de France dans sa salle, et ça c'est bien pour le club. Donc pourquoi pas l'année prochaine, oui, peut-être deux combats professionnels, oui, c'est possible. Eh bien, merci. Et quand on voit tout ce qui a été mis en œuvre, avec les... je pense que tout le monde est content de cette belle soirée, ils sont toujours là, l'année dernière ils étaient là, cette année ils sont bien revenus, et je pense que c'est bien pour la petite ville de Saint-Vite. D'ailleurs on appelait avant le petit club de Saint-Vite, je me rappelle il y a quelques années en arrière, maintenant on ne peut plus dire ça. Ils sont troisième en Franche-Comté au point de vue du nombre de licenciés. Donc c'est plus le petit club de Saint-Vite. C'est un des clubs franc-comtois bien classé. Eh bien merci. Voilà. Boisson Thibault pour les infos du sport. Je suis avec Bill. Alors une belle victoire ce soir. Bon, en même pas deux minutes, l'adversaire au tapis. Bah oui, il avait dû mettre un genou à terre. Quoi. Il était secoué au premier round. J'ai touché au foie. J'ai senti que j'ai touché. Je l'ai percuté. Je l'ai pas lâché. Je l'ai mouliné. L'arbitre l'a arrêté. Il a eu raison. Hein. Alors bon, te voilà avec 3 victoires aujourd'hui et bon, dans 15 jours à Pontarlier. 4 victoires. Hein. 4 victoires et dans 15 jours, peut-être une 5e victoire à Pontarlier. Ouais, ça. Alors tu vas continuer un peu les entraînements
pendant 15 jours ou tu vas un peu stopper et... Non, je vais continuer, mais là c'est juste du... Je vais faire de la technique, tu vois. Je vais pas faire du physique tout le long. Voilà quoi. Eh bien d'accord. Eh bien, bonne chance, à plus. Merci.